Bonjour, merci Gérard pour l'occasion de présenter ce travail. Je vais vous parler de la vérification formelle d'un compilateur Lustre. Le résultat que j'ai décrit vient d'une collaboration sur 2 ans et demi avec mes collègues Lélieu Prun, Pierre-Éric Dagon, Xavier Leroy, Marc Pouzet et Lionel Rigue. Ici, vous voyez une capture d'écran de l'outil Skate Suite d'Anti-Sexual Technology. C'est un logiciel de pointe pour la spécification par schema bloc assisté par ordinateur. Ben, il y a des blocs que vous voyez là en jaune, bon, pas très bien, mais il y a des blocs qui représentent des unités fonctionnelles comme des compteurs, des filtres, des algorithmes de contrôle et de traitement du signal. Les entrées et les sorties des blocs sont connectées les unes aux autres par des lignes qui s'appellent des signaux. Il y a des sortes de lignes là entre les blocs. Il y a aussi des machines à état qui décrivent les modes d'opération d'un système. Et vous voyez ici une représentation des états. Bon, c'est des sortes de boîtes avec des entêtes en rose qui contiennent soit d'autres machines à état, soit des réseaux de blocs. Les états sont connectés entre eux par des transitions qui décrivent les changements de mode en fonction des signaux externes et internes. Et les ingénieurs ont toujours fait de tels dessins pour concevoir et décrire le système. L'idée nouvelle, qui s'appelle en anglais « model-based design » ou la conception basée sur modèle, et c'est que ces dessins peuvent être exécutables et que l'on peut les utiliser comme base pour simuler, pour tester, pour vérifier et finalement pour générer automatiquement le code de bas niveau qui s'exécute directement sur le matériel. Sur le matériel. Oui. Et donc, cette approche, et surtout l'outil SkateSuite, est utilisé pour programmer les logiciels les plus critiques dans l'aérospatial, la défense, le ferroviaire, l'énergie, le nucléaire, et j'en passe. L'outil SkateSuite est doté de plusieurs qualifications industrielles et peut donc être utilisé dans la programmation des systèmes certifiés. Cela veut dire que les exigences, les cahiers de charge, peuvent être tracés directement au modèle plutôt qu'au code de bas niveau, que les tests peuvent être évalués sur les modèles plutôt qu'au code de bas niveau. Et on fait confiance au générateur de code plutôt que de réimplémenter un système manuellement. Et tout ça a donc une grande intérêt pratique. Et derrière l'interface graphique, on trouve un langage de programmation synchrone qui s'appelle Skate 6. Ce langage est fondé sur le langage académique Lustre, avec des influences fortes d'Esterel sur des structures de contrôle et de Lucid Synchrone sur ses analyses statiques et son schéma de compilation. Jusqu'ici, notre travail sur la compilation vérifiée s'est concentré sur le code de langage qui dérive directement de Lustre. Et dans le cœur, deux idées sont centrales. Les lignes dans la spécification graphique, les signaux, représentent des flottes de données, c'est-à-dire des suites des valeurs. Et les blocs représentent des fonctions entre suites. C'est ainsi qu'on donne un sens précis au dessin. On étudie ces objets mathématiques plutôt que les idiosyncrasies d'un langage particulier. Bon, je vous ai parlé de la certification, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Cet exposé traite plutôt les vérifications et ce n'est pas la même chose. La vérification des compilateurs a une longue histoire. On s'intéresse ici aux vérifications faites dans un assistant de preuve, dont je cite deux avancées récentes. COMPSET, le premier, est un compilateur C spécifié et vérifié dans l'assistant de preuve COC. C'est un langage, le langage C est un langage très important pour la programmation de bas niveau et sa spécification précise est particulièrement subtile. Nous, on intègre les modèles et les algorithmes de concept dans notre compilateur Lustre. Donc, je vais en reparler plus tard. Un autre exemple, c'est KKML. C'est un compilateur de langage fonctionnel StandardML, un voisin proche d'OCaml, spécifié et vérifié dans un assistant de preuve qui s'appelle Hall4. C'est aussi un projet très intéressant, mais j'en parle plus dans cet exposé. Alors, qu'est-ce que c'est une assistant de preuve comme COC? Bon, c'est d'abord un langage de programmation fonctionnelle dans lequel on peut décrire, par exemple, les algorithmes de compilation et de typage. Il y a un mécanisme d'extraction qui permet d'utiliser le compilateur OCaml pour compiler efficacement ces fonctions, pour les exécuter. Ben, c'est aussi un langage de spécification.
En termes techniques, c'est une logique d'ordre supérieur dans laquelle on peut exprimer le modèle sémantique associé au programme, donc la spécification. Et dans notre cas, ça veut dire les suites de valeurs et les fonctions entre suites. Et je vais vous montrer comment ça marche. Il y a un mécanisme de preuve basé sur les tactiques interactives pour raisonner sur les algorithmes et les modèles. Et bon, je vais l'expliquer aussi. Donc, nous suivons cette approche, la compilation vérifiée dans un assistant de preuve, pour obtenir un compilateur lustre vérifié. Le but ultime est de vérifier des programmes lustres, mais d'obtenir des garanties sur le code assembleur produit par le compilateur. Et c'est un principe que Girard a nommé en 1989 le principe de WIPIWI, What you prove is what you execute. Ce qu'on démontre, c'est ce qu'on exécute. Et c'est cette vision, on travaille vers cette vision pour le langage lustre. Ici, vous voyez le schéma du compilateur et c'est aussi le schéma de mon exposé. Et il y a deux mondes, donc le ligne pointillée, et au-dessus, il y a le monde de flot de données, le langage lustre, et en dessous, c'est le monde impératif avec d'autres langages. Et bon, le compilateur est implémenté dans Coq avec un peu d'OCaml. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on lit un programme lustre d'un fichier sur le disque. On va le parser dans la mémoire comme un arbre et on utilise une parseur validée qui s'appelle Mania. Donc, les parties ont été aussi prouvées dans l'assistant de preuve Coq. Normalement, on élabore vers un langage assez riche et puis on normalise. Mais cette normalisation, c'est déjà été traité, donc on sait faire, mais on n'a pas encore implémenté pour diverses raisons dans notre compilateur. Dans notre cas, on fait l'élaboration directement dans une forme de lustre, lustre N pour lustre normalisé. Et l'élaboration, ça va prendre un arbre cru et ajouter des annotations de typage et de cadence. Et donc l'exposé, quand je parle de lustre, ça va être plutôt c'est de langage lustre N. Et puis on fait l'ordonnancement, ce que je vais expliquer. Et puis l'introduction vers un code intermédiaire, donc on passe dans le monde impératif. Je vais expliquer ce passage. On fait une petite optimisation sur ce code. Et puis on fait la génération du code C-Lite, qui est un langage d'entrée pour le compilateur CompSat. Et c'est CompSat qui va nous fournir la sémantique des opérations, comme le plus, la multiplication, la division. Et aussi des algorithmes qui s'est généré un assembleur qui est correct. Voilà, donc on va commencer avec un petit programme en lustre. Ça, c'est la vision graphique. Il y a un nœud qui s'appelle count avec trois entrées, in, inc et res, et une sortie, n. On le représente comme ça dans le syntaxe textuel. Et donc on voit les mêmes informations. On a le nom count, les trois entrées avec le type, le sorti avec son type, et puis la définition, qui est un ensemble d'équations. Ici, l'ensemble, il n'y en a qu'une équation, juste pour commencer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette syntaxe? On représente la sémantique, le sens du programme, par une grille comme ça. Et dans la grille, vous trouvez les variables à gauche, et puis les sous-expressions. Et pour chaque variable, on va associer une flow. Et donc, ce que vous avez vu pour STL, donc il y a sorte de deux visions d'un objet comme ça, une grille. Il y a des systèmes de transition qui vont calculer plutôt les colonnes, une après l'autre. Et c'est ce que vous avez vu avec STL. Donc, STL calcule une réaction, il prend les entrées, l'état interne, et calcule une sortie. Et puis, on aurait fait, et on aurait fait à l'infini. Une autre vision, c'est plutôt la vision flot de données. C'est qu'on va avoir pour chaque variable, pour chaque expression, sa valeur, ça va être une flow, une suite, où on voit toutes les valeurs au fil du temps. Les deux visions sont utiles. Et dans notre cas, on va prendre une sémantique flow de données, donc plutôt orientée vers les ronds, et on va la traduire dans une machine qui sait calculer les colonnes une après l'autre. Et la question de vérification, c'est est-ce qu'on arrive à avoir la même chose avec les deux? Donc ici, une construction très importante, c'est le follow-by. Donc il y a une sous-expression true, follow-by-false. Et donc son sens, c'est que ça commence avec vrai, et puis après, c'est toujours faux. Plus intéressant, c'est le zero follow-by-n. Donc ici, j'avais calculé un n, 0, 1, 3, 4. Et puis le follow-by, zero follow-by-n, je vais mettre une 0, et puis je vais mettre la suite,
N après. Donc je le pousse à droite. Et c'est un moyen d'implémenter une RETA. Mais c'est exactement le registre que vous avez vu dans le circuit après la compilation d'SDRL qui est utilisé dans le contrôle et dans le traitement du signal voilà, dans ces genres de programmes. Maintenant, donc, pour la normalisation, je prends le programme, je le normalise. Et donc, la normalisation, c'est qu'on va ajouter une équation pour chaque follow-by, chaque mémoire qui est dans le programme. Et donc, j'ai ajouté une variable, des variables f et c qui va prendre ces expressions. Et je remplace les expressions avec le variable là. Donc, j'ai changé true followed by false dans f. Et j'ai le droit de le faire parce que le langage est fonctionnel. Donc, il y a un principe de substitution. Je peux changer une variable par sa définition et vice-versa sans changer la sémantique. Et puis, après la normalisation, c'est l'ordonnancement. Donc, l'ordre des équations ne change rien. Comment le dire ? L'ordre des équations n'est pas important pour la sémantique. Ces équations dans les contraintes, et donc l'ordre est immatériel. Mais quand on fait la compilation, on va le faire sur l'objet syntaxique. Donc, on va traduire les équations un après l'autre. Et donc, dans ce cas, l'ordre est important. Et la règle qu'on suit pour ordonnancer, c'est que les variables normales qui ne sont pas définies par les mémoires, donc n, il faut qu'elles soient écrites avant d'être lues. Donc, il faut calculer leur valeur avant de les utiliser. Alors que pour les follow-by, on va les implémenter par les mémoires. Donc, on veut les lire avant de les écrire. Et comme ça, quand on écrit une valeur dans une mémoire, comme pour F ou pour C, ça va être la valeur qu'on utilise dans la réaction suivante. Et c'est comme ça qu'on implémente leur état. Donc, j'ai le syntaxe d'un programme, j'ai la sémantique, c'est écrit. Et maintenant, la question, c'est comment je mets ça dans un assistant de preuve? Ben, pour le syntaxe, je définis un type... et mes éléments vont être des valeurs dans ce type. Donc, ça veut dire, pour les expressions, j'ai 5 cas, je peux avoir un constant, une variable, une expression when, un opérateur unaire, comme de prendre la négation d'un entier, une expression binaire, bon, plus, multiplication, division. Bon, il y a d'autres expressions que j'explique un peu plus tard. Et puis, pour les équations, il y en aura 3 types. Donc, il y a le type normal, donc où j'ai une variable égale à une expression. Il y a le type follow-by, il y a le type pas instantiation que je montre très bientôt. Et finalement, j'aurai des nœuds où on retrouve le nom, les entrées, les sorties, les variables locales, chaque variable avec un type et une horloge, et une liste d'équations qui les définit. Pour la sémantique, on aura aussi une définition, bon, une définition d'une relation dans Coq. Je ne peux pas expliquer tous les détails, donc on est très précis, et donc il y a beaucoup de détails, mais le principe est assez simple. On va encoder les grilles comme ça, avec une relation. Et la relation, bon, qu'est-ce qu'on aura pour cette relation? Donc on va regarder les équations, donc il faut savoir qu'il faut regarder les dernières lignes. Donc dans un programme, j'aurai une horloge de base qui me donne le rythme du programme, et j'aurai une hache. H, c'est les grilles. Donc, c'est quelque chose qui associe chaque variable à un flow. Et puis, j'ai un élément syntaxique. Donc, j'ai le follow by x égale C0, follow by LE. Et donc, une grille H satisfait cette contrainte si je peux calculer une valeur, un flow pour l'expression. Si je peux dire que x, c'est associé à un flow xs. Et que pour tout n, cette xsn, c'est lié par une relation de follow-by avec le constant et l'expression. Voilà, et donc j'aurai mes deux autres définitions qui imposent le même genre de contraintes pour la propre équation. Et donc ici, pour le nœud, j'aurai un programme G, un nœud F, qui va lier des listes de flows, des entrées vers les listes de flows de sortie. Et des contraintes supplémentaires, c'est qu'il faut que les lignes pour les entrées, donc en blanc là, correspondent avec les entrées que j'ai données. Même chose pour les sorties. Bon, il y a une contrainte sur les cadences. Et pour toutes les équations, il impose chacun une contrainte sur cette grille H. OK. Mais bon, les détails, pour nous, ça va être une fonction des flows vers des flows
pour un EF dans un programme G. Et bon, on aurait une petite ménagerie de modèles. Ce modèle-là, ça va être le θ, parce que c'est le modèle de flow. Donc, ça définit ces rangs comme ça. Et maintenant, on voudrait faire la traduction vers un code impératif. Donc, on a le programme LUST normalisé à gauche, qu'on a vu, et on va le traduire dans un langage OBC, c'est un langage orienté objet. Et pour chaque nœud, je vais introduire une classe. Et cette classe, c'est un moyen d'associer un état avec les méthodes qui agissent sur l'état. On aurait deux méthodes. Il y a une méthode reset pour mettre les bonnes valeurs au début et une méthode step pour calculer une colonne dans la grille. Et puis, je regarde mes équations. Donc, je prends l'équation pour n et je la traduis comme ça. Donc, ça devient une affectation vers une variable sur la pile. Mes mémoires sont un peu plus intéressantes. Donc, pour une mémoire f, je vais introduire une champ dans la classe pour représenter cet état. Et puis, dans la méthode reset, je vais mettre le constant dans la mémoire au début. Et dans la méthode step, je vais mettre la valeur pour la réaction d'après dans l'état avant de terminer. Et voilà, là, pour le C, c'est la même chose. J'introduis une mémoire. Je vais le mettre à 0 au début. Et puis, je vais mettre la valeur que j'ai calculée pour N dans la mémoire pour utiliser au prochain coup. Et ces modèles d'OBC que je ne vais pas présenter, donc les modèles de langage impératif sont assez standards. Pour nous, ça va être les grenouilles, parce que je prends une grenouille, j'aurai un jeton pour l'état, je le mets dedans avec les entrées, ça va sauter pour calculer une colonne, donc j'aurai les jetons de sortie, les jetons d'état pour l'état prochain et les sorties. Et en faisant sauter la grenouille comme ça, j'espère calculer les colonnes de mon programme et je voudrais bien que ça corresponde avec les θ. Donc, dans l'ustre, il y a deux constructions un peu plus sophistiquées, l'instanciation et l'échantillonnage. Donc, je les introduis avec un petit exemple qui calcule une vélocité moyenne. Bon, je vais avoir deux entrées, delta et sec. Et puis là, pour définir le variable, donc j'ai deux variables de sortie, R et V. Pour définir R, je dis que c'est l'instanciation du nœud count que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Et puis, la valeur d'R va être la valeur calculée par ce nœud. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 9, 12. Et j'ai mis C1 entre parenthèses parce qu'il y a quelque part dans ce nœud, il y a un follow by qui calcule les valeurs retardées de la sortie. Et la deuxième construction, c'est l'échantillonnage. Donc, je prends un signal R et je vais prendre les valeurs quand l'entrée sec est vraie. Et donc là, le résultat, c'est 4, 9, 9 avec des trous. Donc, je garde les trous parce que c'est un langage synchrone. Donc, on voudrait que les colonnes restent dans le même alignement, qu'ils restent synchrones. Donc, je vais garder les trous, mais j'aurai un flow qu'avec certaines valeurs du flow d'entrée. Et là, je vais appliquer les deux idées en même temps. Donc, je fais une instanciation du node count, sauf que l'entrée, je l'échantillonne sur l'entrée sec. Et comme ça, je calculerai le valeur T que de temps en temps, pour avoir 1, 2, 3 avec des trous. Et il y a une mémoire à l'intérieur qui ne change que de temps en temps. Bon, je peux échantillonner sur le complément d'un signal et une construction pour mettre deux flots complémentaires ensemble. OK. Et donc, le modèle sémantique, on aura un dictionnaire qui associe à chaque identifiant un flot de données. Et les flows, on va les représenter par des applications sur les entiers naturels. Donc, je vais donner 0, 1, 2, 3 pour avoir la colonne 0, 1, 2, 3. Et puis, il faut représenter les trous. Donc, on va avoir une valeur spéciale absent qui dit, bon, il y a un trou à cet instant pour cette variable. Et il y aura présent avec une valeur pour d'autres instants. Ces constructions when et merge, ils sont là pour l'activation conditionnelle. Sinon, il faut calculer toutes les équations à chaque réaction, et ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Il faut dire qu'ils ne sont pas faciles à utiliser. Donc, c'est plutôt une forme interne pour les constructions plus structurées. Par exemple, j'ai un automate, une machine à état, une représentation graphique à droite, et puis une forme textuelle à gauche, il y a deux états. Et il y a un moyen de le transformer dans une combination de when et de merge, où le when, ça va calculer les valeurs que quand un état est actif, et le merge va mettre ensemble toutes ces valeurs
par les états différents. Mais c'est une construction qu'on ne sait pas encore traiter dans l'assistant de preuve. Donc, la compilation, on va compiler ces deux constructions nouvelles. On a le programme lustre à gauche, le programme obc à droite. Et là, pour les instances, on va introduire une sous-mémoire, parce que j'aurai une instance là de nœud count. Je vais avoir deux instances. Donc, une instance, je vais nommer O1, l'autre O2. Et puis, ça va nous donner une sous-arbre, parce que dans la mémoire d'average velocity, j'aurai une O1 avec les mémoires pour les deux follow by dedans. J'aurai une O2 pour l'autre instance du count avec ses mémoires dedans. Et puis, pour reset, je vais appeler récursivement la méthode reset de l'instance count avec O1. Et puis, pareil pour le step. Et puis, pour le deuxième, j'utilise une autre mémoire. J'aurai une autre sous-arbre. Et c'est activé que de temps en temps. Donc, je vais introduire une conditionnelle autour de l'affectation. Et puis, il y a une analyse statique qui garantit que je ne vais jamais utiliser une valeur que je n'ai pas calculée. Pour le merge, devient un if. Et puis, le follow-by, c'est comme avant. Donc, j'aurai aussi une cellule dans ma mémoire pour le follow-by. OK. Donc, c'est le processus que je viens de décrire. Ça peut être exprimé dans Coq comme une fonction. C'est une fonction mathématique exprimée dans une sorte de calcul de lambda sophistiqué. Je vais le mettre là juste pour vous montrer un peu le taille, donc l'objet concret qui nous intéresse. Mais vous allez trouver les éléments. Il y a une fonction pour traduire les nœuds. Il y a une fonction pour traduire les équations avec les trois cas qu'on a vus. Et puis, il y a des fonctions pour ajouter des ifs. Et donc, le défi, c'est de justifier le passage d'un modèle sémantique à un autre. Et donc, on pose le problème comme ça. On a notre arbre de syntaxe lustre normalisé et ordonnancé à gauche. On a le syntaxe obc à droite et il y a cette fonction traduction entre les deux. Donc, comment démontrer que c'est correct? On associe à chaque syntaxe un modèle. Donc, il y a le modèle θ, il y a le modèle Grenui. Maintenant, on essaie de faire une preuve par récurrence entre les deux. Mais ça ne marche pas, parce que cet énoncé est trop faible. Donc, on sait que le Grenui va mettre à jour ses mémoires chaque fois qu'il saute, chaque fois que j'exécute ce programme. Mais dans la sémantique de nœud, je ne vois pas les mémoires. Elles sont cachées dedans. Et donc, j'ai aucun moyen de raisonner que les mises à jour des mémoires dans le programme impératif sont correctes. Je n'ai pas de référence. Donc, la solution, c'est d'introduire un modèle, une sorte de theta adolescent, où c'est le modèle flotte des données, sauf que je vais faire apparaître les mémoires. Et donc, c'est ce que je fais. J'ai les mêmes arguments, le G, le programme G, j'ai le nœud F, j'ai les entrées XS, S, Y, SS, là, et puis j'ai une entrée M. Et cette M, c'est l'arbre des mémoires qui suivent la structure des instanciations dans le programme. Et pour les followed by, j'aurai un flow qui définit la valeur qui devrait se trouver dans la mémoire au fil du temps. Et c'est une preuve facile de passer d'une θ à une θ adolescent. Il faut juste démontrer l'existence d'une M. Et puis, il y a une preuve ardue, mais possible, pour passer vers le modèle d'obc, la grenouille. Et cette preuve à deux, c'est plein de détails techniques, il y a une centaine de lemmes. Ça nous a pris plusieurs itérations pour trouver les bonnes définitions. Mais finalement, la structure est assez simple. J'aurai trois récurrences. Donc, je fais une récurrence sur N, les colonnes dans le gris. Et puis, je fais une récurrence sur le programme G, sur la liste des nœuds. Et pour chaque nœud, j'ai une récurrence sur les équations avec trois cas. Un cas pour chaque forme. Et puis, deux cas, si c'est présent, si c'est absent. Et donc, le cas, c'était un peu une surprise. Le cas difficile, c'est le cas absent des applications des fonctions. Parce que dans ce cas, on ne va pas exécuter la fonction et on ne peut pas utiliser l'hypothèse de la récurrence. Et donc, il faut raisonner que si on n'appelle pas la fonction, les mémoires ne changent pas. Et que si la fonction n'est pas activée, alors ces mémoires n'auraient pas changé non plus. Et que voilà, on garde la correspondance. Et le modèle intermédiaire joue un rôle clé dans cette preuve. Mais maintenant, pour lier les mémoires, il n'y a pas de grand problème parce que les mémoires ne changent pas beaucoup entre lustre et obc. On a ces deux arbres et on fait un prédicat
correspondance de mémoire. Dans un programme G, à l'instant N, je vais lier grand M, qui est l'arbre à gauche du programme flot de données, avec menv, qui est l'arbre à droite des mémoires dans le programme impératif. Et puis, je peux raisonner à l'instant N, qui a une valeur dans la mémoire, correspondant avec l'énième valeur sur le flot de données à gauche. Et puis, ça va marcher aussi pour les sous-instances. Donc, la difficulté, c'est plutôt dans le basculement entre modèles sémantiques. On passe des flots de données vers des séquences d'affectation. Dans le schéma, vous avez donc toutes les transformations dans le monde de flots de données. Et on est passé maintenant dans le monde impératif, dans le code OPC. Je vais vous expliquer une optimisation par fusion. Donc, déjà pourquoi c'est nécessaire et puis ce que ça fait. Donc, dans le code qu'on génère, on aurait trop d'if. Donc, if sec, then fait quelque chose, if sec, then fait quelque chose, alors qu'on préférerait avoir qu'une seule if. C'est important pour l'efficacité du code et surtout pour l'estimation du temps pire d'exécution du code. Donc, ces branchements vont induire des estimations pessimistes. En fait, c'est plus facile à générer un code comme ça parce que pour chaque équation, je vais introduire ces conditionnels. Et donc, la preuve à dû, ça va être moins à dû si j'ai généré un code moins efficace. Et je vais optimiser ensuite et ça va être une autre preuve, mais j'aurai découpé mon problème en deux. Et puis, on sait que cette optimisation va être efficace parce que notre ordonnanceur aurait essayé de regrouper les équations par horloge pour que l'optimisation marche bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde dans le papier. Donc, l'optimisation est décrite dans le papier de 2008. On réécrit dans trois fonctions coq, fuse, fuse prime et zip. Et puis, on va voir ces fonctions en rouge. On met deux invariants en bleu, et puis le reste, c'est la preuve qu'il faut faire. Et ça, c'est assez typique. J'ai peut-être 8 à 10 fois plus de lignes de preuve que de code pour raisonner que cette fonction d'optimisation est correcte. Et donc, l'idée, c'est bien de prendre deux conditionnels comme ça, d'en produire une seule conditionnelle. Mais ce n'est pas toujours correct de le faire. Donc, si je fais if x, alors x devient faux, else x devient vrai, et puis j'ai fait if x, dans ce cas, je ne peux pas fusionner facilement. Ça va être faux. Donc, il faut un invariant qui décrit quand exactement je peux fusionner ces deux conditionnels. Et bon, je montre deux cas ici. Donc, j'aurai une conditionnelle là. Et donc, récursivement, il faut que les commandes S1 et S2 soient fusionnables. Et pour toute variable qui est libre dans l'expression E, il ne faut pas que ce soit possible de le changer dans les commandes S1 ou S2. Et comme ça, on va savoir que la fusion va toujours être correcte. Et il y a plusieurs invariants qui font la même chose. Et celui-là, on l'a choisi parce que c'est le plus simple pour la preuve. Et donc, le schéma général, c'est qu'il y a un code produit en amont. Et donc, il faut que ça satisfait déjà l'invariant. Et puis, on va appliquer l'optimisation dans l'arbre et donc on veut que le résultat partiel soit aussi qu'il satisfait aussi l'invariant. Et donc on commence, on définit une relation très naturelle entre S1, deux commandes S1 et S2. Donc on dit qu'ils sont égales pour l'évaluation. Si on met ces deux commandes dans le même environnement de mémoire, on les exécute si dans le même environnement de mémoire à la fin. Donc ça veut dire que pour nous, ça calcule la même chose. Mais on va la raffiner. Donc on va avoir une relation égalité modulo fuse où il faut qu'en exécutant les deux commandes, j'ai la même chose dans la mémoire et que les deux commandes soient fusionnables. Et comme ça, je peux poser le problème comme une question de congruence pour les structures, pour les constructions comme le séquence, le point-virgule et les fonctions d'optimisation. Je peux démontrer par réécriture une lemme qui dit si le commande S est fusionnable, si ça satisfait l'invariant, alors quand j'applique la fonction d'optimisation, je vais avoir quelque chose qui calcule la même chose que la fonction avant l'optimisation. Donc je peux bien en remplacer un par l'autre. Donc on arrive là, à la dernière partie, où je vais générer du code C-Lite à partir du code OBC.
Qu'est-ce que c'est ici, Lite? Bon, c'est un langage d'entrée pour le compilateur CompSat. Et CompSat, pour nous, c'est deux choses. Donc, c'est un modèle formel, un modèle générique d'exécution et de mémoire au niveau matériel, mais qui reste, donc c'est de bas niveau, mais c'est toujours indépendant de l'architecture. Et la deuxième chose, c'est que c'est un compilateur, donc il y a des algorithmes optimisants et formellement vérifiés qui peuvent générer une code assembleur à partir d'un programme C-Lite. C-Lite, bon, c'est une version simplifiée de CompSat C où les expressions n'ont pas d'effet de bord. Il y a quatre variantes sémantiques. On utilise une sémantique à grands pas avec paramètres simples. Et donc, il ne suffit pas juste de brancher CompSat ici, en fait, dans notre compilateur. Il faut que les valeurs, les types et les opérateurs de CompSat soient introduits dans nos langages Lustre et OBC. Parce que quand on fait une plus dans notre Lustre, cette plus va être implémentée par la sémantique de CompSat finalement, dans la machine, par l'arithmétique, dans le processeur. Et donc, on va définir notre syntaxe, notre sémantique sur une interface abstraite où on n'a que quelques propriétés sur les valeurs, les types et les opérateurs dont on a besoin pour la preuve. Et ça va simplifier nos preuves, nos définitions. Et puis, on va l'instancier plus tard avec les définitions de CompSat pour faire la génération du C-Lite et la preuve de sa correction. À gauche ici, donc, on a le code orienté objet d'OBC. Et on va le traduire dans un code C à droite. Et le code C fait la même chose, mais c'est un langage plus précis, donc il y a plus de détails. Et c'est pour ça que c'est plus long, un peu plus compliqué. Et donc C n'est pas un langage orienté objet. On va utiliser une technique standard pour encapsuler l'état. Et chaque détail engendre des complications dans la preuve de correction. Donc on fait l'hypothèse que le class count a déjà été traduit. Et on va traduire le classe Average Velocity. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour les mémoires, on va introduire un enregistrement, donc une structure pour stocker l'état. Et là, vous voyez, il y a le W du follow-by. Il y a deux sous-enregistrements pour les instances O1, O2. Et puis, on va passer cet état en argument aux fonctions reset et step. Voilà, on va passer un pointeur vers l'état. Le reset, c'est ce qu'on voit, donc on passe le pointeur, et puis on appelle nos fonctions qu'on a déjà traduites pour count avec une pointeur, donc on prend l'adresse de cette partie de l'état qu'il utilise comme l'état de l'instance, et pour les follow-by, bon, ça va être le variable qu'on stocke ici dans l'enregistrement. Et puis il y a un petit problème technique, c'est qu'en lustre, ce n'est pas un problème de rendre résultat. Mais on sait, on ne peut pas. Donc, on va avoir un enregistrement pour stocker les multiples résultats. Et on va passer un pointeur vers ce bloc de mémoire. Et on va écrire les résultats dans la mémoire et on va les récupérer plus tard. Et puis, on traduit les instanciations. Donc, on va traduire cet appel à une méthode, pas un appel à la fonction. On va passer le but de mémoire avec les entrées. Et puis, il faut qu'on recopie le résultat du bloc de mémoire produit dans le bon endroit. Et bon, on fait la même chose. Et puis, pour les follow-by, c'est un peu pareil. OK. Donc, même problème qu'avant. On a une syntaxe OBC. On a une fonction de génération que je ne vous ai pas montrée. C'est comme la fonction. En principe, c'est la même idée que la fonction que vous avez vue. C'est juste beaucoup plus compliqué. Et ça va produire une arbre de syntaxe C-Lite. Et donc, on va raisonner avec le modèle grenouille et le modèle grenouille turbo-compressé, donc le modèle de C-Lite, qui est plus sophistiqué. Et cette fois, la preuve par récurrence, la sémantique à grands pas, ça marche directement, parce que les deux, ils ont la même structure de contrôle. Donc, ils font le même calcul. Et donc, on va raisonner qu'une skip en OBC, c'est la même chose qu'une skip en CompSat. Qu'une affectation en OBC, c'est la même chose qu'une affectation en CompSat. Bon, les affectations en CompSat, il y en a trois types, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça passe. Pour les appels des méthodes, il faut une invariance spécialisée, parce qu'on fait l'appel et puis on fait la copie. Donc, il faut raisonner que la copie est correcte. Et puis, pour les points-virgules, ce n'est pas hérédité. Si c'est correct à gauche et à droite, on peut bien les combiner.
Donc le problème, ce n'est pas l'exécution. Cette fois, c'est de lier les modèles de mémoire, les représentations de mémoire. Et on observe, on a une structure aberrante que vous voyez à gauche, où la séparation entre deux variables est manifeste. Donc je sais que state i, ici, ce n'est pas la même chose que state w là, parce que bon, ce n'est pas les mêmes éléments dans l'arbre. Alors que quand on passe dans C, on va mettre tout ça dans la mémoire d'une machine. Donc, je vais avoir un bloc d'octets. Et avec des blocs d'octets, bon, il faut considérer l'aliasing, l'alignement, la taille des éléments. Il y a des complications supplémentaires. Et donc, on peut tenter de faire la preuve directement, mais il y a beaucoup de détails, ça devient rapidement difficile. Et puis, on fait les mêmes raisonnements, il y a les mêmes obligations de preuve qu'il faut traiter tout le temps. C'est plus malin, c'est ce qu'on a fait finalement, d'utiliser une logique de séparation. Donc je donne les deux papiers, les deux premiers papiers sur la logique de séparation. Il y avait déjà une bibliothèque dans COMSOC qui a été utilisée pour une preuve, et on a attendu cette bibliothèque pour notre problème. Et donc l'idée, c'est d'encoder la simplicité du modèle source dans un modèle plus riche du cible, et c'est une technique générale et bien commode pour interfacer avec COMSOC. Donc, comment ça marche? Bon, j'aurai une mémoire M, et donc je vais dire que dans cet M, je satisfais un prédicat, state rep. Et state rep, bon, il y aura une sorte de template, de gabarit, de patron qui décrit ce que je devrais trouver. J'aurai mon menv, qui est cet arbre-là, et j'aurai un bloc de mémoire BS, un certain décollage. Au début, ça va être 0. Mais bon, ça va changer. Donc, cette state rep, c'est une fonction. Je le développe. C'est développé comme ça. Et puis, j'ai trois prédicats. Donc, j'ai une state rep maintenant qui travaille sur le gabarit count pour le sous-nœud et avec l'instance O1, donc cette sous-arbre, et qui va le lier avec le même bloc de mémoire, mais à un décollage OFS plus delta O1. Bon, ça va toujours être 0 parce que c'est le premier. Mais pour la deuxième instance, je vais avoir un décollage là, delta, qui prendra en compte le fait que j'ai déjà stocké le sous-arbre à gauche, la mémoire pour W, que je devrais commencer à lier le bloc de mémoire avec le sous-arbre là. Et puis pour le W, j'aurai un prédicat qui dit à cette adresse, bah, il y a un entier 32 bits signé qui correspond avec la valeur de W dans la représentation aberrante. Je développe encore un peu plus. Encore plus, et puis j'aurai des contains pour tous les champs, donc pour les i, le v, des deux côtés. Et vous voyez là, la logique de séparation nous donne cette étoile, et c'est deux choses. C'est une conjonction logique, ça veut dire que les prédicats sont tous vrais, mais en plus, ça veut dire que les prédicats parlent des blocs de mémoire distincts, donc il n'y a pas de chevauchement sur les blocs de mémoire qu'ils traitent. Et c'est ainsi que je peux raisonner avec des blocs, comme dans le dessin, et que ça va être correct dans la logique. Et je vais factoriser toutes mes questions de taille, d'alignement et d'aliasing dans des lemmes. Donc je vais traiter ces obligations qu'une fois, et je vais raisonner après à ce niveau plus haut. Et ça marche très bien. Donc on y arrive. C'est la chaîne de compilation et c'est la lemme finale. Donc, la lemme finale, il faut que la forme soit simple parce que c'est cette lemme que les experts vont juger pour ses limitations et pour ce que ça veut dire. Et donc, tous les échafaudages, tous ces grenouilles un peu bizarres sont cachés dedans. Donc, on ne les voit plus. Et l'assistant de preuve nous garantit que nos raisonnements sont corrects, donc on peut oublier tout ça. On n'a qu'à regarder la lemme finale, on fait confiance dans la logique à l'assistant de preuve et puis on essaie de juger si ça dit ce que ça devrait dire. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Bon, si le typage, l'élaboration réussit, donc je peux trouver des types, des cadences pour mon programme, les flots d'entrée et de sortie sont bien typés, correspondent avec les types déclarés dans l'interface, et ils sont liés par la sémantique, donc dans cette grille qu'on a regardée. Et la compilation marche, donc la compilation peut toujours dire « je ne peux pas compiler », mais si ça marche, alors on a un assembleur qui produit une trace infinie si on l'exécute en boucle.
Et cette trace infinie est en correspondance avec le modèle flow de données. Donc finalement, c'est qu'en exécutant le code en répétition pour calculer les colonnes, on va retrouver les rangs qui sont dans la sémantique de référence. Bon, ce lemme n'est pas parfait, mais ça dit pas mal de choses en même temps. Donc pour résumer, Lustre, on a un langage dédié d'automaticien pour écrire des spécifications exécutables. Il y a une question fondamentale. Ces spécifications sont-elles fidèlement retranscrites dans le code généré? Et notre réponse, ce n'est pas la seule réponse possible, mais on a implémenté ce prototype d'un compilateur d'Hancock avec la preuve qu'il y a un lien formel entre le modèle flow de données et le code impératif. Et bon, pour faire ça, on a résolu deux problèmes techniques principaux. Le changement de modèle entre flow de données et impératif et le changement de représentation de mémoire entre arbre et bloc imbriqué. Les perspectives, ben, il y a deux façons de regarder les perspectives. Donc, il y a des défis scientifiques. Donc, la question, comment mécaniser la sémantique d'un langage flow de données dans un assistant de preuve? Comment le faire de façon la plus simple possible? Et la suite, pour nous, c'est de traiter les structures de plus en plus sophistiquées. Bon, les recettes modulaires, les automates. Une deuxième question, c'est qu'on a développé une composante essentielle de cette vision, ce qu'on démontre, on exécute. Et la suite, c'est de faire les démonstrations, donc la vérification interactive des programmes Lustre. Pour les questions pratiques, c'est que le processus de certification industrielle est effectif. Ça semble bien marcher. Mais on sait aussi que c'est coûteux et c'est difficile à maintenir. La question, c'est est-ce que les assistants de preuve peuvent-ils alléger ce processus? Est-ce qu'on peut les utiliser pour faire plus, pour aller plus rapidement, pour que ce soit moins pénible? Bon, c'est une question ouverte. Une autre question qui est liée, c'est ces spécifications mécanisées qu'on a dû produire pour le développement, pour notre développement, est-ce qu'on peut les utiliser pour le développement des compilateurs et d'applications, même si on n'applique pas les vérifications bout à bout? Donc, cette vérification bout à bout, c'est intéressant. Peut-être c'est pratique, mais si on ne peut pas l'utiliser, est-ce qu'on peut quand même tirer des bénéfices d'avoir ces modèles d'haute fidélité? Voilà. J'ai mis les références, c'est tout. Merci.